Chris Bradford est inscrit sur ce site. Ce sera lui, mon premier ami. Michelangelo, tu sais, les gens ne répondent pas toujours dans la minute. Bon, ça peut arriver. Oh, ouais, trop fort! Oh, Chris Bradford a accepté d'être mon ami! Ça y est, j'ai un ami. Je sais pas comment te remercier. Où tu vas comme ça? Mais... je vais traîner avec mon ami, Chris Bradford. Ce type est très célèbre, il a probablement des milliers d'amis sur Internet. Et devine qui est le numéro 5226? C'est toi? Non, Daniel Ramirez, mais moi je viens juste après. Allez, ciao! Eh bien, ça risque d'être intéressant. On devrait peut-être le suivre. Non, il faut bien qu'il apprenne un jour. Salut, quoi de neuf? C'est moi. Oh! Je suis en train d'être attaqué par Chris Bradford. C'est vraiment trop cool. Non, attendez, on est amis sur Internet. Quoi? On est amis sur Internet. Vous avez accepté mon invitation. Oh, mais oui, c'est vrai. Enchanté. Oh. Tu veux entrer? Ouah, trop cool! Visez-moi ce katana! Oh, il a l'air super vieux! Oui, c'est normal, ce sabre a plus de 400 ans. Dis-moi, tu n'as pas fini de me parler de ton maître tout à l'heure? Écoute, chic Chris, j'aimerais vraiment tout te dire, mais il y a des choses que je dois garder secrètes, tu comprends? Je croyais qu'on était amis. Et les amis partagent leurs secrets, n'est-ce pas? Quoi, tu veux dire que tu vas me montrer ton kata secret? Le dragon de la mort! Tu sais quoi? Pour te prouver mon amitié et ma confiance, je vais t'enseigner le dragon de la mort. Ouais, génial! Mais par contre, tu dois me promettre que tu ne le montreras à personne, d'accord? Je t'en fais la promesse, parole de tortue! Ensuite, coup de pied, un tour sur soi et balayage de la jambe! Voici le dragon de la mare. C'était carrément incroyable. Oui, à la fois efficace, dangereux et complexe. Et malgré ça, même Mikey a réussi à l'apprendre. Merci du compliment. Hé, hey, oh! Ah, c'est Chic Chris! Je lui ai donné ce petit nom. Il m'invite à aller faire du SPORT. Je lui demande pas quel sport, hein, je réponds juste d'accord. Quoi, tu pars maintenant? Désolé, les gars. L'amitié humaine n'attend pas. Vous savez ce que c'est? Non, en fait, vous ne pouvez pas savoir. Cet idiot est en route. Le piège qu'on lui tend est prêt. Sacrée arme pour un dur comme toi. En prison, on fabriquait nos propres armes. J'essaierai de m'en souvenir si je suis assez stupide pour atterrir en prison. Hé, oh, t'es dans le coin? Chic Chris, mon pote. Tu as organisé une fête surprise pour moi? Dites-moi ce que vous avez fait de Chic Chris, sinon je vous préviens, ça va être votre... Eh bien, tu ne me reconnais toujours pas. Pourquoi ça, je devrais? Pourtant, nous nous sommes déjà rencontrés. Non, non, c'est impossible. Vous êtes le propriétaire du chat. Pauvre idiot. Non, c'est toi, Chic Chris. Je croyais que nous étions amis. Je t'ai même présenté à tous mes orteils. Tu pensais vraiment qu'un type comme moi pouvait être ami avec un monstre comme toi? Dans tes rêves. Je propose qu'on se débarrasse de lui. Rien ne me ferait plus plaisir. Mais on a besoin de lui. Il fait partie du piège. Chic Chris. Je te rappelle plus tard.
Si vous touchez à un seul de mes cheveux, je vous préviens, j'appelle les flics. Rassurez-vous, on ne vous veut aucun mal. Alors qu'est-ce que vous voulez, les grenouilles? Je pense qu'on est parti sur de mauvaises bases hier soir. Les esprits se sont échauffés et disons que... Voilà, nous aimerions récupérer cette vidéo. S'il vous plaît. Et que comptez-vous me donner en échange? Vous donner en échange? Étant donné que vous tenez tant à récupérer cette vidéo, j'estime que ça vaut bien une petite récompense, pas vous? Vous voulez une récompense? Je promets de ne pas vous arracher la tête et de la frapper contre un mur! C'est bon, merci Raphaël, je vais prendre la suite. Je vous écoute, à quoi vous pensiez? Un million, ça fera l'affaire. D'accord, et un million de quoi? Un million de dollars, oui. Un million de dollars, désolé, mais on les a pas. On a des pièces canadiennes tombées à travers les bouches d'égout. Cette vidéo peut me rapporter un paquet d'argent. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un qui les a. Ça suffit. Rendez-nous cette vidéo tout de suite, sinon je vous promets que ça va être votre fête. Et je plaisante pas. Regardez, ce sont les Krangs. Raphaël! Attention! Il ne faut pas qu'il s'échappe cette fois! Eh ben, c'était fastoche! Si on veut. Vous et moi, on a encore un truc à régler! Donnez-moi ce téléphone et tout de suite! Venez, il faut s'en aller. Je ne suivrai pas un lézard. Si tu ne veux pas mettre le prix pour cette vidéo, peut-être qu'il le met. Raphaël, sors de là, attrape. Écoutez-moi, espèce d'andouille. Primo, les grenouilles ne sont pas des lézards. Et secondo, nous ne sommes pas des grenouilles. Adios, gentille petite grenouille. Merci de votre aide, les gars. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Attendez voir, vous êtes des triplés ou j'ai une vision? Vous êtes dur en affaires, les gars. Bon, vous savez quoi? Je veux bien vous la laisser pour 500 000 dollars. Et pour ce prix, le téléphone est à vous. Bon, d'accord. 400 000 dollars? Il s'agit de notre combat avec les créatures qu'on appelle tortues. L'utilité de ces images pourrait se révéler plus utile encore en revisionnant ces images. Oui, c'est sûr. Sur ces images, Krang est à son avantage. Nous devrions montrer ces images de Krang à Krang. Oh, mais que se passe-t-il? Nous allons vous sortir de là. Et mon téléphone, alors? Chut. Personne ne me dit chute. Et personne ne me fera quitter cet endroit sans mon téléphone. Arrêtez celui que l'on doit arrêter. Exécution. Vous pouvez me rappeler pourquoi on doit sauver ce type? Je suis devenu hideux. Quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Ça joue de la polka! Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! Merci! J'ai pas besoin de voir ça, je vais faire un tour. Raphaël, où est-ce que tu vas? On est privé de sortie. Ça m'est égal, il faut que je m'occupe, sinon je vais devenir dingue. Allons trouver un spot de skate. Un spot de skate? Oh, super idée, je te suis. Et Maître Splinter, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne sais pas ce qui se passe, car ils sont partis en douce pendant mon sommeil. Ah, c'est vraiment mature, ça, y a pas à dire. Moi, je suis le chef de la bande, et en tant que tel, je décide que personne ne sort. Eh bien, en tant que membre de la bande, on décide de sortir quand même. En tant que chef, je vais venir avec vous, car je suis censé veiller sur vous, et aussi montrer l'exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Ça joue à nouveau de la polka! Il va falloir mettre d'autres chansons, pas moyen. Morceau. Hey, parlez moins fort, vous deux. Ça alors? Mais il y a des milliers de morceaux là-dessus. Il en télécharge des dizaines par seconde. Et alors? Et alors, je ne l'ai pas programmé pour ça. On dirait qu'il se reconfigure automatiquement. Ah, ça doit être la micropuce. Peu importe ce que c'est trop cool! Visez un peu ça. Il déchire ce spot de skate. C'est qui ce type là-bas? Aucune idée. Mais il mérite de recevoir une leçon. Pas si vite, Raphaël. Qu'est-ce qui te dit qu'il va faire quelque chose de répréhensible? Si ça se trouve, il va juste à l'église. Quoi? Vêtu d'une armure de combat? À ton avis, c'est quel genre d'église? C'est une église de la mort qui tue. Écoute, c'est moi qui donne les ordres et qui décide qui mérite de recevoir une leçon. Ce type mérite de recevoir une leçon. Non, c'est pas vrai, ça. Allez, tu vas marcher, oui. Qui va ouvrir si je porte? Ce type fait pitié plus qu'autre chose. Ouais, je sais pas trop si on devrait l'assommer ou si on devrait plutôt lui acheter un cornet de glace. Halte-là, scélérat! Halte-là, scélérat? Mais depuis quand on utilise ce langage? On est des héros et c'est le langage qu'ils utilisent. Vous allez avoir affaire à la furie de mon armure de combat ultra, mais... Attendez voir, vous êtes... Quoi? Vous êtes des tortues? Oui, tout juste. On est les tortues de la justice. Waouh. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est waouh. Arrêtez! On peut y aller. C'est malin. Vous n'êtes pas les premiers à me jeter dans une benne à ordures, mais vous voulez que je vous dise? Je vous jure que vous êtes... Ah zut! Fichons le grand, les gars!